Qu'elle est jolie la sardane, que l'on danse main dans la main, au pays des verts platanes. Jeune fille, jeune gens l'aiment bien, et même les vieux. Les propriétaires, Nelly et Yves, de l'ancienne grange de 200 mètres carrés, de style typiquement catalan, avec notamment ses caïrous, vous accueille aujourd'hui et depuis 1994 dans un restaurant de 80 à 100 places avec terrasse, en ambiance et avec une cuisine typiquement catalane. La décoration vous plongera aussitôt dans l'exubérance artistique et revendicatrice de la Catalogne Sud, dont la capitale est Barcelone. Ce panoramique partiel de la salle montre les deux bars et le fameux train jaune, bien connu par les amateurs sous le nom de Canary, circulant sur environ 60 mètres suspendu au plafond. Le grand intérêt de Yves pour la culture catalane a vite dépassé la frontière des Pyrénées, et c'est ainsi qu'il côtoie régulièrement dans son restaurant nombre d'artistes en tout genre. Ému des plus remarqués, Anthony Gaudí, Juan Miró, Salvador Dalí, Pablo Casals, Montserrat Cabal, Anthony Pichot. Un jour, un artiste ferronnier, Calou, lui propose d'installer le train jaune de Cerdagne. L'idée séduit, et c'est parti sur une voie à l'écartement de 52 mm. Les rails sont en fer cornière, qui reçoivent les essieux équipés de roues à gorge, équipant une machine et des wagons construits en fer blanc et peint. Le fonctionnement de l'ensemble reste aléatoire. Yves, dans le respect du souvenir de cet artiste, se décide alors à proposer à ses clients une animation fonctionnelle fiable et sécurisée. En juin 2018, la voie et l'alimentation ont fait l'objet de travaux de remplacement intégral menés par Antoine et François, modélistes catalans confirmés, ainsi que par IETB, intervenant en qualité de conseiller travaux et fournisseur de voies et accessoires. La brigade des serveurs et cuisiniers, d'une douzaine de personnes, ici rassemblées avant le coup de feu, vous propose une cuisine typique et plus particulièrement les plats à la plancha, placé sous la haute présidence d'un mythique boudin drapé sang et or, dont le patron Yves vous expliquera cette présence surprenante. La structure suspendue étant suffisamment rigide a été conservée et les rampes adoucies. Les fers cornières existants sont majoritairement conservés pour servir de plateforme aux nouvelles voies cintrables en 1m50 de chez Trendline. Les courbures sont obtenues par cintrage à froid et à la demande en utilisant l'outil de cintreuse à voie de marque Massotte. Les rails sont raccordés entre eux par des connecteurs à vis Massotte, assurant une excellente continuité électrique ainsi qu'un beau positionnement mécanique. Le matériel roulant est alors rééquipé de blocs moteurs et d'essieux métalliques à bande de roulement conique et à l'écartement de 45 mm ou plus communément dit échelle G. L'alimentation est désormais fournie en analogique par un transformateur de 5A 24V et d'un régulateur ad hoc de chez LGB. Repartons en voyage entre les poutres de la charpente et les galeries d'avalanche du parcours, avec les noms des gares ou ouvrages singuliers qui bordent cette ligne toujours en activité, sur 63 km entre Villefranche de Conflans et la Tour de Carole. Attention, l'arrêt de lavabo, bien que d'utilité publique, n'existe pas sur la ligne réelle. Per tu come un effendeu a més del nostre món petit com gra de sorra pot una eternitat fer estar dins una hora si el teu cor batega la vora del meu el meu amor per tu com un effendeu més del nostre món tornat a gra de sorra i de l'eternitat continguda dins l'hora pot qualsevol parlar fer dir a un mot meu el meu amor per tu com una fendeu non, ce n'est pas le TGV
des Pyrénées. C'est la fierté qu'on se le dise au fond des gares, dis au fond des gares. Il circulait entre un peinard, entre Villefranche et Stavart. On l'appelait le canari, le train jaune pardi. Au rendez-vous des révisions, Béziers y porte son attention. Quand un problème apparaît, on sait le régler. Oui, mais jamais, au grand jamais, son entretien ne fut bâclé. 100 ans après qu'aucun de sort, il roule encore. Des trains, il y en a beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, le seul qui n'ait jamais changé sa modernité. Toujours vêtu de sang et d'or, c'est pour ça que les gens l'adorent. Il reste toujours authentique, oui, à l'identique. À chaque coup de son sifflet, résonne notre identité. Retour en salle, où semble-t-il les serveurs chaussent la paire de bigatanes, renforçant encore l'ambiance décontractée de ce restaurant, dont j'ornerai personnellement la casquette du chef de gare d'au moins 3 étoiles. Passionné ou non par le train, ce restaurant vaut non seulement le détour, mais une visite programmée. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.